Bonjour à tous, voici le Fit Challenge que je vous propose à faire pendant 4 semaines. N'hésitez pas à enlever des exercices trop difficiles. Si vous appelez le premier exercice, ce n'est pas grave, c'est l'exercice le plus physique du niveau 1. Voilà, vous le ferez un peu plus tard dès que vous aurez pris un peu de conditions physiques. Je vous propose donc deux solutions, des pompes classiques, un peu plus difficiles, que les pompes sur les genoux, qui sera un peu plus simple pour commencer. Donc n'hésitez pas à faire la deuxième solution, pompes sur les genoux. Vous pensez à contracter fort vos abdos. Deux possibilités aussi pour cet exercice, donc un sur les talons, donc les jambes bien tendues et si les genoux pliés et les pieds à plat, donc un peu plus de poids sur les jambes sur le deuxième exercice, un peu moins difficile. Pensez à bien respirer sur le gainage des lombaires, ceci est très très important, donc adoptez une respiration lente et profonde. Exercice dynamique des quadriceps, pensez à partir tranquillement, puis accélérer progressivement quand vous vous sentirez à l'aise. Pour les abdos, pensez à bien respirer, inspirez en montant, soufflez en descendant, puis regardez bien vers le haut, la tête est bien droite par rapport au buste. Exercice dynamique où il va être important de bien amortir avec ses genoux, donc on appuie les pieds sur les pointes des pieds et on fléchit bien les genoux lorsqu'on réceptionne sur le côté. Pensez à bien contracter les abdos sur cet exercice, allez-y lentement, respirez bien, soufflez bien à chaque fois que vous amenez un genou vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de faire ces étirements direct après l'effort, mais par contre n'hésitez pas à rester longtemps sur chaque position et à vous assouplir le plus longtemps possible et bien calmement. N'hésitez pas à rester longtemps sur des positions qui sont un peu difficiles pour vous, pour vraiment laisser le muscle s'étirer au maximum. Merci à tous d'avoir suivi le Fit Challenge Level 1. N'hésitez pas à me poser des questions sur lasolutionform@gmail.com. À très bientôt, merci.